Fidèles téléspectateurs de Wafrica TV, est-ce qu'une paix mondiale est définitivement impossible? À partir de cette question, je nous réfère à l'actualité du moment qui se joue entre Israël et le Hamas. En effet, c'est le chef politique, à savoir Ismaël Haniyeh, qui a été tué à Téhéran après l'attentat du 7 octobre contre Israël par l'organisation islamiste, alors que le chef politique justement était en visite et à la cérémonie d'investiture du président iranien. Plusieurs questions se posent après cet assassinat politique. Pourquoi l'avoir tué alors que c'est un monsieur qui était à la table des négociations avec Israël? Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, on va revenir certainement sur l'impossible paix mondiale que vous avez publié. Mais je prends d'abord en extrait cet ouvrage, Pensée unique et diplomatie de guerre pour nos téléspectateurs. Et à la page 267, je prends un extrait que je lis entièrement. La nouvelle position du chef du gouvernement israélien est toutefois assortie d'une condition qui prend la forme d'un défi lancé à l'autorité palestinienne pour des réformes effectivement démocratiques dans sa direction. Professeur, est-ce qu'à partir de cet extrait et à partir de l'assassinat politique que nous vivons, parce que c'est toujours d'actualité, est-ce que Netanyahou a gagné la guerre? Ce livre date de 2002. Tout à fait, 2002. Alors, 2002. Je vous donne l'impossible paix mondiale. Deux pour passer unique, 2011 pour l'impossible paix mondiale. Sanda Tomé. Ce livre a obtenu le prix des Nations Unies. Ouais. Il est encore exposé au Palais des Verts, Palais des Nations à Genève. Et je vais vous dire, la longévité du conflit israélo-palestinien rappelle durement à notre conscience que la diplomatie ne détient pas toutes les clés des solutions. La politique internationale, même faite d'un maximum de réussites polyvalentes et fonctionnelles, est d'abord un art de la guerre, des stratégies de domination et de survie, froide ou chaude, secrète ou officielle, à souhait. Une paix réelle et exemplaire est impossible. Une paix réelle et exemplaire est impossible. Impossible. Parce que les tenants de l'orthodoxie impitoyable des systèmes de gouvernance convenus manipulent les principes et les concepts, les valeurs et les pressions et les passions en fonction des intérêts et des circonstances adaptées à chaque séquence. C'est le vrai nœud du drame permanent de l'humanité. L'impossible paix mondiale. Alors, vous savez, quand vous avez un brin de mémoire historique, vous vous souvenez que la guerre de 14-18 commence par un assassinat. Et après, on n'a plus rien eu. La guerre de 39 à 45. En réalité, prend appui sur la banalisation de la société des nations, qui est la première organisation universelle multilatérale réelle à cette époque-là, pour les nations qui étaient déjà constituées souverainement avec une amplitude sur la scène internationale, et qui résultait des accords de paix de 2018, les 14 points du président Wilson. C'est parce que l'Allemagne nazie se sent très puissante en 1933, dès 1933,
que par la suite, et auréolé quand même de la, pardon, dès 1937, et auréolé de l'adhésion. Parce que Hitler n'est pas un dictateur, faites attention. Hitler arrive au pouvoir démocratiquement. Auréolé de soutien massif des populations, de la puissance de son industrie militaire, même de son économie. Elle développe une idéologie de puissance extraordinaire. Et du coup, elle se sent plus liée par aucune obligation internationale. Ça, c'est peut-être le décor en rappel. Mais je veux vous dire quelque chose d'autre m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiant. Il y a eu l'assassinat d'un petit enfant, d'un enfant de 4 ans en France. Cet assassinat avait troublé toute la France. Le journaliste de l'époque, la France n'est pas encore un pays couvert de médias. Ce sont de petites choses hein, qu'il faut comprendre. Vous voyez, on est entre 75 et 80. Il n'y a pas encore réellement de liberté de la presse en France. Il n'y a que 3 chaînes de télévision. TF1, Antenne 2 et TF3 qui est beaucoup plus régionale. Les radios privées, même, il n'y en a presque pas, il y a 2. Ces parallèles-là sont souvent importants pour que vous compreniez comment le monde évolue en rapport avec notre propre évolution. Parce qu'ici, en 90, dès qu'on fait les lois sur la communication, on a mis le journal, on a mis les chaînes de télé et de radio qui émettent même sans autorisation. Bien. En tout cas. Une parenthèse. Ah, une parenthèse. Le 20h de M. Roger Jiquel est très regardé, très suivi. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment la famille qui vient le soir et tout le monde s'agglutine devant la télévision. Cet enfant est donc assassiné. Roger Jiquel apparaît sur le 20h. Il commence par « Mesdames et messieurs, la France a peur. » Eh bien, je vais vous dire tout de suite, mesdames et messieurs, chers amis, le monde entier a peur. Là, le monde entier a peur. J'ai été en contact les derniers 24 heures avec des diplomates, des personnes simples, ordinaires, des intellectuels, des artistes, des quatre coins du monde. Tout le monde a peur. Au moment où nous enregistrons, il faut rappeler qu'il y a des réactions de partout. Tout le monde a peur. Nous sommes exactement dans une situation qui ressemble à 2014. Nous sommes en guerre. La Troisième Guerre mondiale a commencé. On a souvent dit que Saint-Domingue était Nostradamus, sorcier, tout ce que vous voulez. C'est une simple question d'honnêteté intellectuelle et de vision géostratégique.
quand Bush arrive au pouvoir en 2000, prend ses fonctions en janvier. La première chose, Bush fils, c'est de dénoncer tous les accords de paix dans lesquels les États-Unis étaient impliqués, les accords de désarmement et tout ça, sur les bombes à fragmentation, dénoncer, n'est-ce pas, l'accord de Kyoto sur le climat et tout. Et il dit, il s'en fout. Il critique Clinton, parce que Clinton aura passé jusqu'à la dernière seconde à essayer d'arracher un accord de paix entre Yasser Arafat et le dirigeant israélien à Camp David. On s'en fout, ils n'ont qu'à se bouffer là-bas, c'est pas notre affaire. L'Amérique a mieux à faire. Ces déclarations vont être amplifiées par des actes. Je commets deux articles importants pour dire que cette brutalité de langage et ce changement de ton dans la diplomatie de la première puissance planétaire ne présage rien de bon. La conférence, la toute première, sur le racisme organisé par les Nations Unies s'est réunie au Cap en Afrique du Sud du 3 au 5 septembre 2001. La première des résolutions adoptées, c'est d'assimiler le sionisme au racisme. Colin Powell, qui dirige la délégation américaine, quitte la conférence avec toute sa délégation. L'Union européenne ne quitte pas, mais elle ne participe plus réellement, puisqu'elle ne vote pas. Le 7 septembre, sur ces entrefaits, je produis un article retentissant sur la course vers la catastrophe de la diplomatie américaine. Et le 11 septembre, ce sont les attentats d'Al-Qaïda qui changent complètement la face du monde. Ce que je m'en vais vous dire est grave. Dans la logique, il existe une politique de la guerre. Il existe une école et des doctrines stratégiques de conduite des crises et des conflits entre les nations. Les grandes lignes interdisent l'élimination des pôles de pouvoir considérés comme les acteurs des négociations d'accords de paix. S'il y a la guerre, on ne va pas détruire l'Élysée, ni la Maison Blanche, ni le président français, ni le président américain, ni un grand chef. D'un point de vue théorique, c'est ça. Maintenant, d'un point de vue circonstanciel, sur l'état d'avancement, la maîtrise des éléments de la guerre et des confrontations. La théorie essentielle de la puissance se fonde au départ sur la capacité du canon à partir du rivage. Plus loin un canon peut tirer, plus fort et plus forte et plus puissante est une nation. On a dépassé ça. 2001, les attentats d'Al-Qaïda, c'est une simple démonstration de la maîtrise de certaines technologies. En 2001, le monde n'est pas encore digitalisé. Il n'y a pas de missiles hypersoniques. Il n'y a pas de drones armés. Aujourd'hui,
tout cela existe. Ça veut dire qu'aucun État, aucun individu n'est plus en sécurité. Le leader palestinien a été éliminé, non pas par des agents qui sont venus tirer sur lui ou poser une bombe à sa porte ou sous son lit, mais par une combinaison de missiles tirés et contrôlés à distance, puis guidés par satellite. Le seul élément a été l'intelligence de terrain, ce qu'on appelle le contrôle des éléments géopolitiques de terrain. Quand vous prenez Yango, vous voyez très bien que le chauffeur de Yango est guidé à partir d'une carte qui indique exactement votre point de stationnement, qui vous localise. Aujourd'hui, il est possible, avec très peu de moyens, de localiser un individu et de le tuer à distance. Le danger est donc réel. Je vous l'ai dit, la Troisième Guerre mondiale a commencé. On se bat au Yémen. On se bat au Liban. On se bat au Burkina Faso. On se bat au Mali. Et on se bat en Ukraine. On se bat encore en Irak. On se bat en Syrie. Les groupes armés attaquent aujourd'hui le Bénin, le Zimbabwe, l'Algérie, la Tunisie. Au Venezuela, ce n'est pas un jeu démocratique qui est en cours. Ce n'est pas une revendication de résultat électoral. C'est une guerre idéologique et doctrinale pour l'équilibre des forces dans la sous-région. Alors, une paix est-elle impossible ou est-elle possible? Mais que non. Le simple fait qu'il existe des différences et des valeurs antagonistes exclut toute possibilité de situation pacifique définitive. Parce que les intérêts des individus sont en permanence en lutte pour prévaloir, pour gagner une certaine prééminence. Dans le contexte qui est le nôtre, nous faisons face dans le monde aujourd'hui à une situation qui a complètement dérapé. Complètement. Il faut avoir peur. Le monde entier a peur. Nous devons tous avoir peur. L'Amérique n'est plus gouvernée. Pas du tout. Il n'y a pas de gouvernement en Amérique. La France n'est pas gouvernée. Il n'y a pas de gouvernement. L'Europe est complètement affaiblie et à terre. Elle est sans direction aujourd'hui. Les grands hommes à la dimension de Mitterrand, Helmut Schmidt, Kohl et tout ça ont disparu. Les Martins et Olof Palme en Suède ont disparu. Aujourd'hui, il ne reste que des sectes brutales qui contrôlent les pouvoirs au sommet des nations. C'est ce qui peut expliquer une situation comme celle-là. On ne sait pas. On attend avec inquiétude et gravité qu'est-ce qui va se passer. On a l'Ukraine avec toute la situation que l'on connaît.
qui n'est pas celle que les médias occidentaux présentent. L'Ukraine n'existe déjà plus. L'Ukraine n'existe plus en réalité. Ce qui reste de l'Ukraine, c'est un squelette sans âme. Parce qu'en réalité, l'Occident ayant voulu en faire une base avancée pour détruire la Russie, s'est fracassé sur une armée, un peuple et une volonté inébranlable. De l'autre côté, posez-vous la question. Où va-t-on dans le contexte actuel lorsqu'on s'attaque au Liban? Je suis extrêmement préoccupé par la sécurité et l'existence de l'État d'Israël. Je tiens à ça, à ces deux choses-là. Parce que le peuple juif a effectivement payé un prix élevé dans l'histoire. Mais je tiens encore plus, mieux et sans doute radicalement à la fin du conflit israélo-palestinien. Vous êtes quoi de ceux qui accusent Israël en premier rang? Non. Et les États-Unis en second rang? Il faut rappeler que le secrétaire d'État a réagi, Anthony Blinken. Oui. Vous savez, la diplomatie est un art de ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est vu. Mais en réalité, les vraies diplomaties sont ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne comprendrez jamais, ce qu'on ne saura jamais. La déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken veut effectivement dire et seulement dire que ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont été les maîtres à jouer. Les États-Unis ont 300 bases à travers le monde. Et dans le Golfe, ils ont 17 bases. En permanence, une trentaine de navires. Toutes reliées à des technologies satellitaires qui ont la capacité de guider des missiles jusque dans votre poche. Et c'est une coordination parfaite quand la Russie veut frapper Kiev. Yeah. Tous les discours là, c'est pour s'amuser. Si la Russie décide aujourd'hui qu'il n'y a plus d'Ukraine, il n'y aura plus d'Ukraine. Qu'il n'y a plus Volodymyr Zelensky, il n'y aura plus. Satellite vous suit. Jusque là où vous êtes, vous regarde. On appelle ça the eye of the big brother from the sky. Et puis, de Moscou, ou de la mer, de n'importe où, on va vous balancer un missile hypersonique, ou même simplement supersonique, qui arrive sur vous comme un serpent, impossible de l'attraper. Et dans les derniers 500 mètres, le satellite intervient et le guide exactement sur l'objectif. Vous avez des navires soviétiques, russes en Méditerranée. S'ils veulent attaquer une cible au Cameroun, c'est un jeu d'enfant. Mais ce qui s'est passé prend un caractère d'une gravité extrême parce que ça s'est fait en Iran. Et que l'Iran, aujourd'hui, est une puissance nucléaire. Chaque fois que vous voulez enfermer une souris dans une boîte, c'est à ce moment-là que la souris devient plus forte et plus intelligente. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est que sur une crise grave, se mette en route une autre.
J'ai peur de vous dire que la Chine, avant décembre, peut-être même demain ou après-demain, aura repris Taïwan et que les Américains ne pourront rien y faire. Dans le contexte actuel, nous sommes dans un croisement des alliances guerrières telles qu'il n'existe pas de véritable sortie avant qu'en réalité l'ordre du monde ait été renversé, cassé complètement. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que les Jeux olympiques sont en cours. Et comme vous le savez, ce sont des Jeux de l'Occident. Nous reparlerons au cours de notre émission. Certainement. Des Jeux de l'Occident. Et ça se passe malheureusement dans un pays qui a complètement échoué depuis 7 ans. Macron, c'est une calamité sur le plan diplomatique. L'embêtant dans la situation actuelle, c'est qu'on n'a plus de pôle d'intermédiation diplomatique. C'est un rôle que la France a toujours joué et su jouer. En 82, quand Israël commence à bombarder le Liban gravement, et il ne faut pas oublier historiquement les massacres des camps palestiniens de Chabra et Shatila. C'est François Mitterrand, président de la France, au pouvoir depuis 1 an seulement, qui sauve l'autorité palestinienne, qui ira s'établir en Tunisie pendant une bonne dizaine d'années. C'est la France qui tient ce rôle moteur. Pendant la crise des missiles intermédiaires en Europe en 83, c'est encore la France. D'un arrangement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cependant, oui. Je veux encore dire, oui. Lorsque la coalition anglo-américaine décide d'envahir l'Irak sur la base d'un des mensonges les plus graves, les plus durs de l'histoire, c'est encore la France. Le discours mémorable de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité qui tient tête Jacques Chirac est président de la France aux États-Unis. Ça donne quand même au monde une dimension d'existence de valeurs intermédiaires susceptibles de jouer un grand rôle d'apaisement entre le Sud, le Grand Sud et le Grand Nord, entre en réalité des coalitions qui se confrontent et s'affrontent. On va certainement revenir sur la stigmatisation de l'organisation islamiste qui rejoint justement le Qatar, l'Iran et même le Hamas. Et c'est un facteur justement qui aurait contribué à cet assassinat politique. Mais d'abord, chers téléspectateurs, nous allons prendre cette halte et revenir pour la seconde et dernière partie de cet entretien. Ne zappez pas, à tout de suite. Ouafrica TV, au-delà des idées reçues. De retour sur ce plateau et pour vous qui venez de prendre la ligne à l'instant, nous parlons des circonstances de la mort d'Ismaël Haniyeh, le chef politique de la délégation de Hamas. Il a été assassiné, comme on le sait très bien. Alors, professeur, avant de parler justement du lien entre le Qatar et l'Iran et même le Hamas, soyons optimistes quand même. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des conditions de possibilité d'une négociation mondiale? Écoutez, nous sommes loin aujourd'hui d'imaginer réellement ce qui peut se passer. Il est bon de travailler avant. Ouais.
Ce livre date de 2013. Conflit d'éthique et crise des relations internationales. Fin d'atomé. La présentation est assez éloquente. Mais quelle idéologie, quelle philosophie ou quelle doctrine gouverne véritablement les relations entre les nations ? En existe-t-il une et une seule articulée sur une éthique consensuelle ? Les notions d'universalisme, de multilatéralisme, voire de coopération se cacheraient-elles ? Ne cacheraient-elles pas plutôt un impérialisme des positions dominantes ? Au gré du triomphe de certaines interprétations éthiques, selon les époques. Faudrait-il craindre que le mensonge, la ruse et la fourberie aient été de tout temps le fondement le plus affirmé de la diplomatie planétaire et des échanges du genre humain ? Attention ! On est en 2013 ! Je parle déjà de l'Ukraine. 2013. Que j'entrevois la guerre. Et la suite, je vous le présente. Des printemps arabes au djihadisme terrorisant et des armes de destruction massive imaginaire en passant par l'Ukraine jusqu'à ces nouveaux discours de la guerre froide. Ne s'agit-il pas profondément d'une guerre de croyance. 2013. Nous sommes en 2024. 2013. L'Ukraine commence en 2022. 2022, tout à fait. En 2013, il y a déjà entrevu. Conflit d'éthique et crise des relations internationales. Écoutez, cher ami, sauf à être opportuniste, crise d'éthique, conflit d'éthique, et crise de relations. Les éthiques au pluriel. Ouais. En 2001, lorsque se produisent les attentats du 11 septembre, George Bush, président des États-Unis, curieusement, est en visite dans le sud des États-Unis. Lorsqu'il est au courant, sa déclaration avant de prendre l'avion pour rejoindre Washington, c'est de dire « C'est une guerre entre les civilisés et les barbares. » Son ministre des Affaires étrangères, malheureusement Colin Powell, reprendra le même ton. Le premier ministre italien Silvio Berlusconi perd son âme. Ira plus loin. Quel que soit le cas, même s'ils ont pu faire ça, la civilisation occidentale et judéo-chrétienne est et restera toujours supérieure à la civilisation musulmane et islamique. Rentrer en arrière, les colons. Le philosophe français très connu, Lévi-Braul, disait de nous que nous sommes des peuples aux mentalités prélogiques. Prélogique. L'Africain a une mentalité prélogique. Certains ont dit que le nègre obéissait plus vite à la chicotte qu'à la pensée. Très bien. Ce n'est plus une guerre israélo-palestinienne, même pas une guerre israélo-arabe. Connaissez quel est le plus grand pays islamique du monde ? L'Indonésie.
Et ce n'est pas un État voisin d'Israël. C'est une constellation d'îles très peuplées. Connaissez dans 20 ans la population israélienne d'origine arabe sera majoritaire. En France, en Europe en général, elle représente aujourd'hui entre 7 et 10% de la population. Aux États-Unis, elle est très importante déjà. Et si on se réfère aux chiffres de la conférence des États islamiques, l'organisation des États islamiques, à laquelle le Cameroun appartient, Nigeria, et ainsi de suite, Mali, ce qui se passe met en exergue une confrontation entre l'Occident judéo-chrétien et le monde arabo-musulman, soutenu par ce qu'on qualifie ou que l'on appelle aujourd'hui le Sud global. La situation est grave. C'est la manière d'aborder les crises qui rend les différences explosives. On n'a même pas encore fini d'enterrer ou de spéculer sur une réaction éventuelle face à cet assassinat, que le ministre américain de la Défense, Austin, déclare « Nous défendrons Israël avec la France, l'Angleterre et les autres puissances de l'OTAN si Israël est attaqué. » C'est une grave erreur sur le plan diplomatique et géostratégique. Vous n'avez pas pu défendre les deux tours du World Trade Center. On a attaqué l'Amérique au cœur. On a rompu ce qu'on appelle la densification de la défense et la massification de la protection du territoire d'une grande puissance. Les 19 suicidaires d'Al-Qaïda qui avaient détourné 3 avions ont frappé le Pentagone, ont frappé New York, au cœur du capitalisme mondial. Ils ont détruit le symbole le plus représentatif du capitalisme du monde libéral, les deux tours du World Trade Center, qui célébraient le gigantisme, la puissance et la richesse des États-Unis. Nuit était le courage de quelques jeunes Américains dans l'avion. Ils allaient projeter l'avion, le troisième avion, sur la Maison Blanche ou sur le Capitole. Ça veut dire que nous ne devons pas nous amuser. Nous ne devons pas. J'ai toujours une pensée pour les enfants israéliens, les familles entières. Vous savez, le 7 octobre, c'était une fête, une foire de jeunes, comme on en voit partout. Ils étaient venus de partout pour faire une fête, n'est-ce pas, rock, techno et tout. C'était très grave, c'était très dur. Mais c'était un territoire palestinien occupé. Un territoire palestinien occupé, tout à fait. Bien. Ils sont arrivés comment ? Ils ont franchi des grilles de protection. Ils ont déjoué toutes les surveillances électroniques israéliennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
nous sommes invités à beaucoup plus d'humilité. Nous sommes invités à réfléchir sur un consensus pour vivre ensemble, que ce soit nationalement ou internationalement. Voyez un petit jeune qui reste dans sa chambre, ouais. Reproduit ses frustrations dans TikTok. On appelle Djombé ou Ngombé, je ne sais pas quoi. Et puis le lendemain, il a embarqué. Incitation à la rébellion, ainsi de suite. Junior Ngombé. Junior. Vous avez beaucoup de réactions, mais au fond, personne ne se pose la question. Est-ce qu'on est dans une guerre systémique? Dans une guerre des valeurs? Dans un conflit de gouvernance? Quelles sont les meilleures stratégies? C'est de projeter les enfants aux avant-postes de la contestation et de la lutte contre un système, ou pour des adultes, de mieux se préparer, de mieux se présenter, de mieux offrir des perspectives de dialogue et de réconciliation entre les positions et des camps antagonistes. C'est une question permanente, parce que, ayant été un des acteurs des villes mortes et des années de braise au Cameroun, je continue à voir les enfants exclus de l'université, exclus de leur pays et jetés dans l'errance. Certains ont réussi, comme le colonel Sinning aux États-Unis, dans l'armée américaine. D'autres n'ont pas réussi, beaucoup sont morts. Mais la question demeure fondamentalement. Dans ce qui se joue au Proche-Orient, dans ce qui se joue entre le monde judéo-chrétien, occidentalo-yankee, et le monde arabo-musulman, islamique. N'y a-t-il pas une profonde interpellation du sens de la justice humaine? Pourquoi? Pourquoi depuis 1948 un peuple peut-il être privé de terre, privé de dignité, privé de tranquillité, privé de sources et de ressources? Vous savez, j'ai vu des images qui m'ont fait couler des larmes. Une maman tenant son enfant de 3 ans avait la face ensanglantée. Des avions avaient bombardé l'immeuble où elle se trouvait avec sa famille. Ils étaient dans un refuge au sous-sol. Elle est sortie seule vivante avec son enfant de 3 ans entre les mains. Une petite fille morte. Et les images de ces enfants de 14 ans affrontant avec des pierres l'armée israélienne. Mais j'ai les autres images. Les camps du 7 octobre qui ont été attaqués. Vous voyez les voitures incendiées, vous voyez les chaussures et tout machin. Qui a fait ça? Une armée de révoltés construite sur les cendres d'un peuple, construite au nom de la mémoire d'un peuple qui estime que depuis 1948,
il vit une injustice inacceptable. Professeur, puisqu'on parle de possibilités de négociation mondiale, il faut rappeler que le Premier ministre qatari, ce matin, réagit. Je prends un extrait pour vous relancer. Les assassinats politiques et le fait que les civils, des civils, continuent d'être pris pour cible à Gaza nous amènent à nous demander comment une médiation peut réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre partie. Ce sont des propos de Cheikh Mohamed Ben Abdel Rahman, le Premier ministre qatari. Pour ça, et là je pose la question au médiateur universel, comment la médiation peut travailler de son efficacité dans cette possibilité de négociation de paix mondiale. Vous savez, j'ai une amie très proche, une juriste chevronnée qui est aux États-Unis. Elle vivait encore au Cameroun jusqu'à il y a 5 ou 6 ans. Elle est allée s'établir aux États-Unis. Nous avons discuté au téléphone. Elle m'a dit, quand elle a suivi cette information, elle a pensé directement au Cameroun. Elle m'a dit, au lieu de mettre les Ayuk Tabe et tout ça en prison, puisqu'on connaissait que ce sont les têtes, et on connaît toujours, pourquoi ne pas s'asseoir avec eux, discuter et mettre fin à ce qui se passe dans les deux régions anglophones du Cameroun. Vous savez, j'ai commencé en vous indiquant que dans les doctrines et les lois des négociations, telles que les spécialistes des relations internationales, des rapports conflictuels entre les nations, les diffusent et les enseignent. On ne détruit pas les pôles de commandement. On ne remet pas en cause l'existence physique des acteurs potentiels ou réels des négociations. On ne négocie pas avec un cadavre. On négocie avec des négociateurs. Mais il y a plusieurs lectures dans le contexte actuel. Pourquoi ? Pourquoi ? Why ? Pourquoi Israël ? Pourquoi le Premier ministre Netanyahou peut-il avoir fait tout ça alors qu'il y a encore au moins 120 Israéliens retenus en otage. Et ce à dire que les égos ou alors les stratégies de survie des pouvoirs transcendent des obligations régaliennes de protection et de préservation de la vie des citoyens. Quel genre d'assurance ont-ils ou a-t-il eu le Premier ministre israélien pour poser ces actes? Il est clair pour tout le monde aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a l'Égypte à côté, qu'il y a la Jordanie, il y a la Syrie, il y a l'Irak. Que le monde s'est refait dans une alliance anti-américaine et anti-OTAN, très puissante. Erdogan, qui est membre de l'OTAN, dit nous pouvons et peut-être que nous devons entrer en guerre. Entrer en Israël. Il déclare, nous l'avons fait en Syrie,
nous l'avons fait en Libye, nous pouvons le faire en Israël. La question n'est plus de savoir si la guerre est imminente. Nous sommes en guerre depuis longtemps. La question n'est pas de savoir si les deux camps disposent des moyens d'une grande guerre, d'une guerre terrible. Ce n'est plus la question. Ils en ont les moyens. Largement. La question n'est même plus de savoir de qui et d'où viendront les réponses. La question est de savoir comment organisera-t-on la survie et la maîtrise des dégâts. La survie des gens, la maîtrise des dégâts et des réparations éventuelles. N'ayez aucune crainte en ce qui concerne l'épaule des négociations. On peut renvoyer la libération des peuples, on peut renvoyer des négociations, mais on négocie toujours. Les grandes causes humaines sont comme des chenilles dont chaque partie constitue un élément important susceptible de régénérer la structure d'ensemble initial. Il y aura toujours des négociateurs, il y aura toujours des leaders palestiniens, mais pourquoi avoir donc tué celui-là à un moment où nous étions proches d'un accord de cesser le feu et des libérations des otages. Deux lectures. La première, les dirigeants israéliens ne veulent absolument pas la paix. Ils ont vu d'un très mauvais œil ce qui s'est passé en Chine. C'est quand même la Chine qui dit « Venez !» La Chine a le porte-monnaie. C'est la plus grande réserve en termes de devises planétaires. Elle a les moyens de payer, de construire un État palestinien avec 1000 gratte-ciel. La Chine en a les moyens. Venez, réconciliez-vous, on va vous soutenir pour construire un pays solide. Un État à côté d'un État pour qu'il y ait deux États qui coexistent pacifiquement avec des frontières sûres et internationalement reconnues conformément aux différentes résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Israël a-t-il intérêt à ce que les Palestiniens s'entendent? C'est une des premières questions que l'on s'est posées. La deuxième question, oui, il y a eu effectivement la dernière attaque du Hezbollah qui a tué 12 jeunes Palestiniens sur une plage. La question de la vengeance, de la réponse, est-elle absolument nécessaire? Était-elle indispensable à ce moment-là? Les États-Unis déclarent, après le 11 septembre 2001, nous allons pourchasser les auteurs partout où ils se trouvent dans le monde, jusqu'à ce que nous en finissions avec eux. Je revois les images des marines américains attrapant Ben Laden, découvrant sa cachette. On n'a jamais vu son corps. Je revois les images de Barack Obama suivant la scène en direct.
Mais avant ça, il y a eu un mensonge. On a détruit l'Irak au nom de ce que c'est l'Irak qui avait commandité et soutenu Al-Qaïda. On a utilisé une histoire d'armes massives, de destruction massive, qui est restée dans l'histoire comme un des plus gros mensonges diplomatiques pour détruire un pays qui était prospère, pour assassiner son chef, tuer au moins 500 000 de son peuple et envoyer près de 3 millions en exil. Qui paye? Qui paye pour l'Irak? Qui paye pour la Libye? Est-ce que la vengeance pour le 11 septembre 2001 justifiait la destruction des peuples entiers et des États entiers, des nations? Non. Vous savez, ce qui fait la responsabilité d'un père, c'est sa capacité de retenue quand un enfant a commis une bêtise insoutenable. Quand tu as la possibilité de gifler cet enfant, de le priver de nourriture, d'argent de poche et même de couchette, tu te reposes la question. Du haut de tes responsabilités, je deviendrai petit, je ne deviendrai pas plus grand. Les États-Unis ont surréagi. Ils ont surréagi. Ils n'ont pas agi comme une grande puissance responsable après les attentats du 11 septembre. Parce que les mesures, les indications prises contre le terrorisme à travers le monde ont modifié la contexture des voyages, des transports aériens et tout. C'était largement suffisant. Peut-être qu'Israël a boiter le pas des États-Unis et a surréagi. Netanyahou ne s'est pas comporté comme un grand chef responsable. Parce qu'en réalité, la sécurité d'Israël, c'est aussi la sécurité des Palestiniens. Et qu'au-delà du peuple juif et de ses soutiens à travers le monde, il y a beaucoup de Palestiniens, d'Arabes et de musulmans qui soutiennent l'existence de l'État d'Israël. La preuve, beaucoup d'accords diplomatiques ont été conclus pour rétablir les relations avec l'État d'Israël. La nouvelle situation est beaucoup plus dangereuse pour l'État d'Israël que la situation qui existait avant l'assassinat du leader du Hamas. Et c'est pour vous redire, le monde est plongé dans la peur. Nous avons peur. Tout le monde a peur. Merci infiniment pour ça. Je vous en prie. Madame, monsieur, voilà qui est dit s'agissant de cet assassinat politique qui s'ajoute encore sur des séries d'assassinats politiques. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre sujet. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Wafrica TV. À très vite.